Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. La soirée électorale continue ici, sur ce plateau. Avec Henri Migou, nous allons vous faire vivre ce double scrutin au plus près de chez vous, au plus près de vos préoccupations du quotidien. Nous ferons un tour, un point sur les régionales élections, vous le savez, à Forges, en PACA, avec cette question ce soir. Quelles stratégies de second tour vont se mettre en place dans les heures, les jours qui viennent? Les sondages sortis des urnes annoncent une triangulaire avec Thierry Mariani du Rassemblement National qui devance d'une courte tête Renaud Muselier, LR et sortant, suivi de Jean-Laurent Felizia du Rassemblement de la gauche. On va en parler tout de suite avec nos invités sur plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Élie Tessier, vous êtes numéro 2 sur la liste de Jean-Laurent Felizia dans les Alpes-Maritimes, Union de la gauche avec Europe Écologie Les Verts et le PCF. Et puis Éric Pauget, bonsoir à vous, député Les Républicains dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que ce sondage, on va y revenir avec les chiffres, est une bonne surprise pour Les Républicains? Je donne les chiffres de Renaud Muselier, 33,7% sondage sorti des urnes, Thierry Mariani, 34,8%. Alors c'est une très belle surprise et c'est une belle tendance parce qu'au-delà des sondages avec lesquels on a été abreuvé au cours des dernières semaines, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le score de 2015. Je rappelle qu'en 2015, la liste Les Républicains et des centres droits avait terminé à 26% et que Marion Maréchal Le Pen, à l'époque, était à 41%. Et la performance de Renaud Muselier, c'est d'être presque au coude à coude avec Thierry Mariani. Éric Pauget, on va en reparler dans la soirée, mais des sondages qui se sont complètement trompés. Quelle est votre réaction là-dessus? Parce que des fois, il y a un institut qui se trompe, mais là, tout le monde s'est trompé. Hein. C'était 8, 9, 10 points d'avance. On est abreuvé de sondages depuis les 10 dernières années. Et nous, à droite, on en a fait une amère expérience en 2016-2017 avec la primaire et l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut arriver à se détacher des sondages. Ce qu'il faut regarder, c'est les vrais scores. Les sondages se trompent chez nous en région sud, mais se trompent aussi dans les Hauts-de-France, puisque je vous rappelle que Xavier Bertrand était donné au coude à coude avec le candidat du Front National, et alors qu'il le distance de je ne sais pas exactement combien, mais au moins 15 points. Donc il faut être hyper vigilant sur les sondages. Alors, Élie Tessier, bonsoir. Donc, Hélène l'a dit, vous êtes numéro 2 sur la liste de Jean-Laurent Felizia dans les Alpes-Maritimes. Donc, ce soir, on a, en sortie des urnes, hein, on a un résultat qui est assez surprenant. La décision de votre liste, de rester ou pas, puisque vous êtes troisième, est-ce qu'elle n'est pas encore plus compliquée à prendre, puisque les deux candidats se tiennent au coude à coude? Il n'y a pas une énorme avance du Rassemblement National. Et donc, vous pouvez rester, avoir beaucoup d'élus, en tout cas un certain nombre d'élus, ce que vous n'avez pas depuis 6 ans. Quelle est votre opinion à vous ce soir? Déjà, que je pense que la nuit va être très courte pour mes camarades qui sont à Marseille notamment, mais pour tous les colistières et les colistiers de la liste. Effectivement, comme vous l'avez dit, la décision est une décision difficile où, au vu des résultats, le risque que le Rassemblement national gagne la région n'est absolument pas écarté. Effectivement, je pense qu'il va falloir peser les choses avec précaution et pour au poids, prendre la bonne décision. Je vous propose d'écouter tout de suite deux réactions enregistrées il y a quelques minutes. D'abord celle de David Racheline à propos de la qualité du candidat Mariani, suivi de la réaction de Jean-Marc Governatori de Cap Écologie. Il appelle à soutenir, sans surprise, Renaud Muselier. On les écoute tous les deux. D'abord, je crois que le gouvernement a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une abstention massive en ne pratiquant pas, en ne faisant pas la promotion de ces élections, en ne faisant pas de clip sur ces élections, en privatisant la distribution des professions de foi avec énormément d'erreurs qui ont été faites. L'abstention règne en maître ce soir. Néanmoins, vous le voyez, nous sommes en tête dans cette région. Thierry Mariani est en tête, était bien le bon candidat, je vous le confirme. Candidat d'expérience, un candidat qui pourra tout changer dans cette région. Et je crois que tout est encore possible, évidemment, avec le second tour qui approche, qui arrive. Notre électorat est décisif pour le second tour, donc je suis persuadé, parce qu'en plus c'est l'intérêt général, en plus c'est l'intérêt des 5 millions d'habitants de notre région. Il va entendre nos propositions et à partir de là, on pourra le soutenir pour que dimanche prochain, le RN perde, parce que c'est capital que le RN perde, parce que la victoire de M. Mariani en PACA, c'est peut-être la victoire de Mme Le Pen en France, et ça, ce serait très grave pour tout le monde. Alors, deux choses qu'on va voir avec vous. D'abord, Élie Tessier, on vient d'entendre Jean-Marc Governatori. On rappelle, c'est l'écologie au centre, hein, ce n'est pas votre liste, c'est une liste différente, qui est
Peut-être faire un peu plus de 5%, c'est-à-dire pouvoir fusionner avec Renaud Muselier. Cette victoire, entre guillemets, de l'écologie au centre, est-ce que ce n'est pas un petit échec pour vous qui êtes Europe Écologie dans la liste de gauche? Déjà, je pense que on peut pas tellement parler d'échec ou de victoire ce soir, vu les taux de l'abstention. Quand on a un électeur sur trois qui va voter, je pense qu'il faut tout de suite tout relativiser en termes de le grand vainqueur de ce soir, c'est les gens qui ne sont pas allés voter finalement. Je pense que Jean-Marc Governatori tire la ligne qui tient depuis le début de cette élection, c'est-à-dire que au second tour, il soutiendra Renaud Muselier. Il l'avait dit, il a dit dès le départ, donc c'est pas une grande surprise ce soir. Effectivement, là aussi, les sondages se sont un peu trompés. On l'attendait plus bas, il est un peu plus haut. Un autre point qu'on va essayer d'éclaircir avec vous, Renaud Muselier, finalement, avec vous, Éric Pauget, pardon, finalement, le score de Renaud Muselier, est-ce que ça ne veut pas dire que cette tactique de prendre des gens d'en marche, mais finalement, elle était bonne? Vous l'avez critiquée, cette tactique, mais elle était bonne, finalement. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs en France, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout décisif. Les Hauts-de-France, Île-de-France, Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, il n'y a pas eu d'accord avec En Marche. Et les scores sont encore bien plus importants que ce qu'on vit, nous, chez nous, dans la région sud. Donc je ne crois pas que ce soit un élément décisif. Moi, ce que je voudrais rappeler, comme l'a dit Madame Tessier, effectivement, l'abstention est le grand gagnant ce soir. Et moi, j'appelle à un réveil démocratique dans ce pays, parce que depuis 20 ans, inexorablement, il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas voter. Et ça doit interpeller les politiques de tous bords. Est-ce que le vote obligatoire, est-ce que le vote par correspondance, est-ce que le vote par électronique, est-ce que la reconnaissance du vote blanc doit être mis sur la table? Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions dans l'avenir. Et puis, deuxièmement, que le Front National soit haut dans notre région, ce n'est pas une nouveauté non plus. Ça a toujours été le cas. Par contre, l'enseignement de ce soir, c'est que La République En Marche, le parti présidentiel, est incapable de s'implanter, ni au municipal l'année dernière, ni dans le cadre des régionales, et encore moins dans le cadre des cantonales, parce qu'on ne parle pas suffisamment des élections cantonales qui ont eu lieu aussi aujourd'hui. On va en parler dans quelques secondes. Sur le bassin Antibois, les quelques résultats que j'ai nous montrent que les candidatures, les binômes En Marche, sont largement distancés. Merci Éric Pauget, Élie Tessier. Je vous propose de rester un petit peu avec nous en plateau. Place maintenant, je le disais, au scrutin des départementales. 54 candidats en binôme dans les Alpes-Maritimes, 46 dans le Var pour renouveler en totalité les hémicycles. Toute la soirée, nous serons là où les enjeux sont les plus forts grâce à un dispositif ambitieux. Nous serons présents au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, à Toulon. Nous serons également à Montsartou, à Valbonne, à Comte et également à Fréjus. Nos envoyés spéciaux suivront l'arrivée des résultats définitifs, iront à la rencontre des candidats et nous ferons vivre l'atmosphère qui règne sur place. Nous vous donnerons le maximum de résultats au fil de la soirée, ces résultats que vous retrouverez facilement sur notre site internet grâce au QR code. Son utilisation est simple, le QR code apparaît au bas de votre écran, vous le flashez avec votre téléphone en mode photo et vous accédez directement à tous les résultats canton par canton. Il est presque 21h25 et le seul chiffre dont nous disposons, chiffre définitif, est celui de la participation. Henri, on l'a dit avec nos invités, pas de surprise, abstention très très forte. Oui, abstention très très forte. Alors on l'a vu dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes, on l'a vu également au niveau national. C'est une participation qui tourne autour de 25-30%. C'est vraiment très très faible. Ça dépend des départements. Mais en tout cas, c'est un record historique. C'est ce sur quoi ont insisté tous nos invités ce soir. Bien sûr, on va en reparler, il y aura des enseignements à tirer, mais un taux de participation historiquement bas, Hélène. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, c'est jusqu'à présent 54 sièges répartis ainsi. 50 sièges pour la majorité, LR et UDI, 4 sièges pour l'opposition. Il y a 2 PCF, 1 PS et 1 siège Europe Écologie Les Verts. Le RN dispose d'aucun siège. En 2015, le parti était pourtant arrivé en tête dans 4 cantons. Bonsoir à vous, Magali Roubaud. Vous êtes devant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Vous avez, depuis le début de la soirée, croisé plusieurs candidats. Alors, quelle est l'atmosphère sur place? Bonsoir Hélène. Alors exactement, nous sommes dans les jardins du Conseil départemental, une ambiance champêtre qui permet en même temps d'enlever le masque, ne serait-ce que quelques heures pour pouvoir échanger. Et effectivement, je suis avec le président du Conseil départemental sortant, Charles-Ange Ginesi. Ici aussi, vous vous en doutez, nous parlons chiffres, les estimations, les sorties de
vote d'urne. Mais en même temps, maigre consolation, hein, le chiffre est partagé pour vous. Vous faites dans votre canton, pour l'instant, selon les premières estimations, un peu plus de 65%, même si tous les bureaux n'ont pas été dépouillés. Il y a eu, je crois, 45% de participation, c'est ça ? C'est ça. Et donc, voilà, mais c'est une consolation, mais qui n'enlève pas le problème aussi de l'abstention sur l'ensemble des cantons du département. L'abstention, ça reste le candidat contre lequel nous nous sommes battus pendant toute la campagne, parce que les médias étaient là pour nous alerter sur ce danger. Et malgré tout, on voit qu'à la sortie, on n'a pas réussi à inverser le sujet. C'est donc un vrai problème de démocratie qui se pose aujourd'hui, avec le fait d'inciter les gens à venir voter. C'est un droit, mais en même temps, c'est une obligation. Une obligation, car ceux qui vont être élus demain devront représenter des citoyens. Et si ces citoyens ne se sont pas investis pour soutenir leurs élus, eh bien, ils diront tout simplement « nos élus n'ont pas de poids ». Donc c'est un juste retour. Et vraiment, ça pose un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que nous le retrouvons sur les élections départementales, ce qui n'est pas le cas aux élections régionales ni aux élections municipales. C'est cette règle qui consiste à dire que le candidat qui pourrait être élu qui a la majorité au premier tour, doit être porteur également de plus de 25% des inscrits. C'est-à-dire qu'il y a une double majorité à obtenir, et cette double majorité, au moment où nous parlons, malgré le score que j'ai pu faire, qui est à 64% dans une première estimation, avec Anne Satoné, mais qui va probablement descendre lorsque l'on va intégrer les résultats de la ville de Vence et de Saint-Janet, il y aura un correctif qui va être fait. Et là, je m'interroge de savoir si nous obtiendrons ces 25%. Ce n'est pas probablement le cas d'Éric Ciotti, pour lequel on donne des chiffres plus importants et qui est un bon résultat. De David Lisnard, qui est annoncé aussi comme étant porté par un bon résultat. Mais dans tous les cas de figure, ce que je constate, au moment où nous parlons, c'est des résultats qui nous sont donnés, que la majorité départementale se porte plutôt bien dans les Alpes-Maritimes et qu'elle a bien résisté au débat qui a été occulté parce que les élections... Attendez, parce que Henri Migou vous permettre d'être plus précis dans vos réponses sur notre plateau. Henri, il me dit dans l'oreillette qu'il aimerait bien vous poser une question. Oui, Charles Genesi, bonsoir. Alors, vous parlez de la majorité départementale qui se porte bien. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est l'ambiance ce soir au sein du département? On sait que vous n'étiez pas tous sur la même longueur d'onde par rapport au régional, par rapport à Renaud Muselier. Quelle est l'ambiance ce soir? On évoque très peu les élections régionales. Nous sommes tous dans l'attente des résultats cantonaux. Les élections régionales font satisfaction globalement dans le camp des Républicains. De voir Renaud Muselier faire le combat qu'il fait, le résultat qui est le sien. Mais nous sommes, nous, dans l'attente de ces résultats, canton par canton, qui vont amener cette majorité départementale de demain. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons regretter, je l'ai regretté très tôt dans des écrits que j'ai pu faire dès le mois d'avril, c'est la conjugaison des deux élections, celle de la région et celle des départements. On voit bien que l'élection départementale a du mal à pointer son nez. D'ailleurs, sur les résultats, nous sommes en seconde ligne et nous n'avons toujours pas les résultats parce que la région a été en premier dépouillée et a été en premier à avoir les résultats. Donc nous sommes dans un bon climat, nous sommes sereins. Les candidats de la majorité départementale le sont également, mais nous regrettons d'être un petit peu occultés. Alors on a envie de parler du département et pas forcément de la région. Le département ayant aussi, c'est ce qu'on a répété pendant la campagne électorale, de nombreux engagements de territoire avec ce volet social, avec les APA, avec le RSA, toutes ces aides sociales que nous amenons, merci. Le handicap qui est porté merci par Anne Satoné. Bon, ça a été quelque chose de très, très bien vu. Merci, Henri. Merci à vous, Charles Genesi, en direct du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Je vous propose maintenant une photographie du Conseil départemental du Var. Aujourd'hui, c'est 46 sièges, 40 pour la majorité de droite, 6 pour l'opposition, dont 3 pour le Rassemblement national. On part tout de suite à Fréjus, où se trouve Alexandre Dequitte. Je rappelle qu'en 2015, dans ce canton, les conseillers départementaux RN l'avaient emporté dès le premier tour. Ce fut d'ailleurs une large victoire et j'imagine que ce soir, le Rassemblement national espère le même succès.
Oui, et sans surprise, hein, le Rassemblement national arrive largement en tête ici dans le canton de Fréjus. Le binôme constitué de deux adjoints à la mairie au maire de Fréjus, David Racheline, obtient plus de 54% des suffrages. Et ce résultat ne devrait pas beaucoup varier puisque plus de 70% des bulletins ont été dépouillés. Mais attention, même s'ils obtiennent 54% des suffrages, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont élus dès le premier tour, car entre en jeu l'abstention, et ici un très fort taux, hein, plus de 68%, et bien ce taux va empêcher ce binôme d'être élu dès le premier tour, puisque mathématiquement, ils ne peuvent pas obtenir les 25% d'électeurs inscrits. Il va donc falloir procéder à un second tour. La question maintenant est de savoir entre qui, sans doute entre les candidats Les Républicains ou ceux de La République En Marche. Merci à vous, Alexandre Dequitte, pour ces échos en direct de Fréjus. On part tout de suite à Comte, où nous attend Laurent Menet. Comte, où Francis Tujac se présente pour la cinquième fois. En 2015, il avait été talonné, hein, par les candidats RN. Laurent Menet, quelle est l'atmosphère sur place? Tendue ou pas? Oui, alors à Comte, groupe 20 communes au total et qui appartient à la gauche depuis 1970, hein, à cheval sur trois vallées, le Paillon, la Bévéra et la Roya. Et ce soir, c'est la liste conduite par Francis Tujac qui arriverait en tête. Il est à mes côtés. Alors, est-ce que vous pouvez, Francis, nous le confirmer? Bien, effectivement, je vous confirme que notre liste est en tête. Elle est majoritaire dans 7 des 20 communes du canton et elle a plus de 800 voix d'avance sur la liste qui arrive en deuxième position. Dans quel contexte cette élection s'est-elle menée, en fait, cette conduite? Eh bien, écoutez, ce canton était ciblé par la majorité départementale. Les grands moyens ont été engagés. Des personnalités marquantes se sont déplacées dans le canton, dans la partie des Paillons, comme dans la Roya, comme dans la Bévéra. Tous les moyens ont été mis. Eh bien, nous avons encore une fois résisté et fait la preuve que les Paillons et le canton de Comte, d'une manière générale, ne se laisseraient pas faire. Alors, vous dites résister, ça veut dire qu'il y avait quand même quelques craintes? Ben oui, quand on voit l'armada départementale de droite se mettre en branle, on peut avoir des craintes. Pas des craintes, mais on se dit qu'il faut prendre des mesures. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mobilisé la population, même si le pourcentage de votants pour nous est un peu faible, mais même s'il est au-dessus de la moyenne nationale. Voilà, nous avons utilisé. Et il nous reste maintenant le second tour. L'étape n'est pas encore gagnée. Il nous reste le second tour. Il faut que nous nous rassemblions, que tous les gens de bonne volonté, de gauche, de l'écologie, se rassemblent pour gagner dimanche prochain. C'est dimanche prochain la victoire. Elles étaient atypiques, ces élections. On a parlé beaucoup d'abstention notamment. Et ici, ce n'est pas trop le cas. En fait, il y a une forte participation sur cette commune. Oui, ici, on vote habituellement plus qu'ailleurs. Enfin, ici et ailleurs, d'ailleurs. Pas seulement dans les Paillons ou dans la Roya. Il y avait un enjeu aussi. Cet enjeu était évident et les gens s'en sont rendus compte. Mais il faudra dimanche que l'on mobilise encore davantage d'électeurs pour remporter la victoire. Et nous allons nous y atteler dès ce soir. Elle est importante, donc, ce second tour. Vous n'y allez pas en mode gagnant. Vous vous dites qu'il y a quand même une petite incertitude? Bah, écoutez, quand on a en face de nous la droite et l'extrême droite et qu'on connaît, on sait ce qui peut se produire entre ces deux formations et les hommes qui la dirigent, que nous soyons solides, costauds, que nous nous mobilisions, que les gens qui ne veulent pas, qui ne veulent ni de l'extrême droite ni de la droite, qui veulent qu'une autre voix soit portée au sein du conseil départemental, tout cela se rassemble. Nous avons fait la preuve depuis des années de notre capacité à bien défendre ce territoire, à les développer. Eh bien, nous allons essayer de continuer pour le bien des habitants des Paillons, de la Roya et de la Bévéra. Merci beaucoup, Francis Tujac. Merci. Voilà, merci Laurent Menet. Donc Hélène, on peut rappeler, hein, c'est un des deux cantons qui n'appartiennent pas à la majorité départementale. Il y a ce canton qui est le canton de Comte, le canton de Grasse 2, on en parlera un petit peu plus tard. C'est celui où Marie-Louise Gourdon est la sortante. Donc là, c'était effectivement important parce que c'était un objectif des Républicains, ce canton de Comte. Donc pour l'instant, il a l'air de rester dans le giron de l'opposition, mais ça va évoluer dans la soirée. On rappelle aussi que c'est le canton de la vallée de la Roya avec la tempête Alex, et donc un gros enjeu électoral et économique de reconstruction. On va maintenant partir à Nice, Hélène. Oui, c'est l'heure de partir à Nice, place Masséna, où nous attend Pierre-Olivier Casabianca. Bonsoir Pierre-Olivier. Pas de candidat auprès de vous. Quelle est l'atmosphère sur Nice? J'imagine qu'il est trop tôt pour parler de premiers résultats chez vous.
Oui, Hélène, il est un petit peu trop tôt pour parler de premiers résultats, mais je peux vous donner les chiffres de l'abstention. Ils sont de 68%, donc c'est plus qu'en 2015. Alors, une question se pose, hein, qui va profiter de cette abstention, hein? Alors, peut-être au Rassemblement National, le maire de Nice, Christian Estrosi, réussira-t-il encore une fois à contenir le parti d'extrême droite? C'est une des questions de cette soirée. Alors, à Nice, il y a 9 cantons, et sur les 9 cantons que compte la ville, 4 sont à surveiller. Il y a Nice 5 et Nice 6, où le parti présidentiel présente 2 candidats face à des candidats des Républicains. Et autre canton à observer, le canton de Nice 3. Dans ce canton, le maire de Carros enfin, affronte l'ancien maire de la ville. Et enfin, il y a le canton de Nice 8, un canton où vous vous présentez, monsieur Inger. Oui, tout à fait. C'est un des cantons les plus populaires de Nice. Et donc, on est candidat avec Anne-Laure Chaintron sur ce canton en espérant faire un bon résultat. Un canton qui est à cheval sur 2 cantons qui étaient détenus par la gauche au début des années 2000. Alors, vous êtes responsable du Parti communiste à Nice, hein, je le rappelle. Est-ce que vous avez des premières estimations? Non, il n'y a pas de première estimation puisque les bureaux de Nice fermaient à 20h. Donc là, le dépouillement est en cours, même s'il y a eu peu de votants. Malheureusement, il y a aussi peu d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Et donc, les procédures de dépouillement vont prendre un temps plus long que d'habitude. Alors, l'abstention est très élevée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette abstention? Aujourd'hui, ça pose véritablement un problème sur la nature de nos institutions. De démocratie représentative, on voit bien qu'il en reste plus grand-chose de représentatif. On va avoir dimanche prochain des conseillers départementaux qui seront élus avec à peine 15 ou 20% des inscrits. Donc ça pose un véritable problème. Et la question aujourd'hui, c'est véritablement de revivifier nos institutions en modifiant un certain nombre de choses. Par exemple, en réintroduisant la proportionnelle, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens ont l'impression que leur vote ne sert à rien, par exemple. Alors on va parler un petit peu des régionales. Pour qui appelez-vous à voter? Écoutez, pour les régionales, d'abord, il faut attendre que le dépouillement là aussi ait lieu. Donc là, ça concerne toute la région PACA. Le processus est un peu long. Ceci dit, il y a une chose, mais c'est un point de vue personnel. Si d'aventure, il y avait un risque que le Rassemblement national puisse emporter la région, je pense à titre personnel que la liste Félisa devrait se retirer pour créer toutes les conditions pour battre l'extrême droite. Merci beaucoup. Voilà, Hélène, donc on est rue Masséna et ici, on attend l'intervention de Christian Estrosi, le maire de Nice. Merci beaucoup Pierre-Olivier Casabianca. On va retourner en plateau ici avec un autre invité qui nous a rejoint, Loïc Dombreval. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Vous n'étiez pas là encore quand Éric Pauget, qui est en face de vous, s'exprimait. En fait, il disait que ce soir, c'était quand même un échec pour La République En Marche, d'abord au niveau des régionales, au niveau des premiers résultats qu'on a pour les départementales. Et finalement, il disait, c'est ce que je vais vous demander de commenter, que La République En Marche, ce soir, se réduisait presque à un homme, un président, et puis un espèce de vide territorial. Quelle est votre réaction là-dessus? Vous pouvez lui parler d'ailleurs, hein, vous pouvez discuter là-dessus. Non, mais je l'ai entendu, hein, j'étais très attentif quand il a parlé tout à l'heure avec vous sur le plateau. Je ne vais pas vous expliquer, personne ne me croirait, que La République En Marche a des facilités pour d'implantation. L'implantation locale, territoriale de La République En Marche est lente et compliquée. Je l'observe. Je ne suis pas seul à l'observer, tout le monde l'observe. Ce qui me surprend, c'est effectivement le décalage qu'il peut y avoir entre cette implantation locale qui est faible et qui est difficile à mettre en place et un président de la République qui, globalement, dans les sondages les plus récents, montre un taux de satisfaction auprès de la population française qui est assez confortable. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est plutôt assez bon. Donc ce décalage, effectivement, indique clairement que probablement, encore aujourd'hui, eh bien, ce mouvement politique, La République En Marche, est un parti qui est un parti national, représenté effectivement essentiellement par son président, le président de la République, effectivement, met du temps à s'implanter. Ça pose un problème, Loïc Dombreval, c'est pour ça qu'on vous pose la question, c'est pas un piège, hein. Ça pose un problème réel quand on veut durer dans le temps pour un parti politique, au-delà de 5 ans. Ce qui s'est passé en 2017, c'était très bien pour vous, mais pour durer dans le temps, pour aller plus loin, ça va être compliqué. Et peut-être que ce soir, c'est justement ce qui est montré. Non, je crois que ce qui est montré ce soir, c'est essentiellement une abstention qui ne fait que croître scrutin après scrutin. Observer scrutin après scrutin avec une forme de... Voilà, on a l'impression que c'est inéluctable et que rien n'est mis en place pour faire en sorte que cette abstention diminue.
La vraie question, c'est... Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place? Mais par exemple, c'est la question de la décentralisation. Aujourd'hui, les électeurs ne se mobilisent pas. Alors, il y a le confinement, et on en sort. Et c'est une bonne chose. Et ils ont probablement d'autres choses en tête. On peut tout à fait le respecter, c'est normal. Mais il y a également d'autres points qui sont, par exemple, le fait qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que va changer dans leur quotidien les élections régionales et les élections départementales. Parce que quoi? Parce qu'on est insuffisamment décentralisé et qu'il faut que l'État central délègue plus de responsabilités, décentralise plus pour donner encore plus de pouvoir aux départements et aux régions. C'est le souhait d'ailleurs du président de la République et des députés de la majorité. Et c'est d'ailleurs un thème sur lequel ils ont beaucoup travaillé et se sont beaucoup exprimés pendant cette élection. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Mais également, on en est encore au 21e siècle à se déplacer avec sa voiture pour mettre un petit bulletin en papier dans une enveloppe et la fermer et aller dans une urne. Derrière un rideau. Non, mais je veux dire, tout à l'heure, Éric Bogel l'a également dit. Il l'a dit tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Je veux dire, la question du vote blanc doit être. La question de la proportionnelle, la question de plus de décentralisation, la question aussi du télévote. Aujourd'hui, les Français de télétravail, ils pourraient tout à fait télévoter. On s'est tout sécurisé pour Internet. Est-ce que tous les deux à l'Assemblée, vous pourriez. Là aussi, ce n'est pas un piège, mais est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord là-dessus? Moi, je crois qu'en tout cas, ce débat, il faut qu'il arrive. On ne peut pas se permettre depuis 10 à 15 ans avoir cette courbe inexorable de la participation qui baisse, parce qu'il y a un enjeu démocratique. La démocratie, quand on s'en sert pas, elle s'use quand on ne s'en sert pas, et ça peut devenir très grave. Donc moi, je crois que ce débat, il doit avoir lieu. Moi, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je suis prêt à travailler. On parlait de la reconnaissance du vote blanc ou le vote obligatoire ou effectivement le vote électronique. Enfin, il y a un tas de choses qu'on doit pouvoir mettre sur la table et en débattre sereinement. Je vous pose la question à tous les deux. Aujourd'hui, là, on aurait pu voter en ligne, on aurait pu voter de façon plus facile. Vous pensez que la participation aurait été plus grande? Je ne sais pas, précisément parce que les Français, à mon sens, n'ont pas compris l'intérêt d'une élection régionale. Ce sont les transports, il faut le redire, il faut qu'il y ait un sursaut démocratique. Les Français se déplacent pour dimanche prochain. Ce sont les transports, ce sont les lycées, c'est l'économie. On ne fait que ça, nous. Est-ce que les candidats le font suffisamment? On vous renvoie la question. Peut-être que les candidats ne le font pas assez. Peut-être que nous-mêmes, quels que soient nos bords politiques, on ne le fait pas assez non plus. Je veux dire, on doit tous se remettre en question là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer à regarder l'abstention augmenter scrutin après scrutin. Comment vous expliquez, je vous dis par une chose, la Covid est la beau jeu dans cette affaire. Parce qu'effectivement, il y a eu un vrai problème au moment des élections municipales. On l'a vu, d'ailleurs, moi j'étais pour reporter ces élections, hein, très clairement, d'un an. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas la seule explication, cette sortie de confinement, ce coronavirus. Ça n'est pas la seule explication à l'abstention, loin de là. C'est une façon, au fond, de ne pas de nouveau se remettre en question sur les autres motifs, et ils sont nombreux, c'est multifactoriel, les autres motifs de l'abstention. Je crois que là, il y a une réflexion urgente à avoir, extrêmement importante. Une question rapidement à tous les deux. Il y a quelque chose qui ne facilite pas non plus, c'est de coupler deux élections, honnêtement. Hein, Bien sûr. Parce que départemental et régional, c'est très difficile à expliquer tout ça aux gens. Comment vous expliquez tous les deux, vous me répondez rapidement, que les gens ne savent pratiquement plus ce que c'est que le département, les compétences du département? Alors sincèrement, c'est des compétences très concrètes. Quand on interroge les gens dans la rue... C'est de la proximité, c'est le quotidien des gens. Alors pourquoi sur une municipale, ils reconnaissent le maire et l'action de proximité du maire? C'est incompréhensible. Et pourquoi sur une cantonale ou une régionale, alors que c'est les collèges, les lycées, les routes, enfin on pourrait le décliner, ils ne reconnaissent pas cette action de proximité? Ça interpelle et on devrait se poser la question. Moi j'étais assez favorable il y a quelques années en arrière à ce qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, on avait appelé le conseiller territorial. Moi aussi. C'est-à-dire que un élu qui siège à la fois au conseil départemental et au conseil régional avec une élection, comme ça se fait actuellement pour les municipalités et les intercommunalités. On vote une fois, on élit un maire et son conseil municipal et on fait fonctionner aussi l'intercommunalité. Je pense que ce sujet aussi mériterait d'être mis sur la table. Oui, pourquoi vous étiez pour Loïc Dombasle? Ah, moi, je suis pour une fusion, je mets les pieds dans le plat, je suis pour une fusion du conseil départemental et du conseil régional. Ce millefeuille dont on parle, on ne sait plus qui fait quoi, la route, ah non, le collège, ah non, c'est le département, le lycée, ah ben non, le lycée, c'est la région, et la route départementale, et la route... Enfin, écoutez, ce millefeuille administratif dont tout le monde parle depuis des années, quand est-ce que nous, les politiques, on va prendre le sujet à bras-le-corps pour faire en sorte que de simplifier les choses? C'est pas en rendant les choses compliquées que les gens ont envie de se déplacer pour aller voter. Ils comprennent pas pourquoi ils votent. C'est aussi simple que ça. Loïc Dombreval, on va aller sur le terrain, puisque cette soirée électorale vous fait vivre également ces élections au plus près de vos territoires. Direction tout de suite Montsartou, ville contenue dans le canton de Grasse 2, où se représente Marie-Louise Gourdon et où vous êtes, Coralie Beck. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Ici, le taux de participation provisoire est de 38% contre 49,6% en 2015. Ici, c'est le canton où il y a le plus de candidats. 7 binômes se présentent. Vous le disiez, Marie-Louise Gourdon, la conseillère départementale sortante, se représente. Cette année, c'est avec Mathieu Panciatici pour l'Union de la gauche et les écologistes. L'adversaire désigné, c'est le Rassemblement national avec qui ils étaient en ballotage en 2015. Cette année, le Rassemblement national est représenté par Liliane Thomas et Jean-Yves Tussi. Il y aura un second tour au vu du morcellement des voix. En revanche, il n'y aura sûrement pas de triangulaire car, vous le savez, il faut 12,5% des inscrits. Ici, il y a environ 28 000 inscrits. Il faudrait donc 3 500 voix. Ça peut paraître beaucoup. Le dépouillement est toujours en cours. On devrait avoir le résultat d'ici une heure pour savoir si le seul canton PS a une chance de rester à gauche. Merci Coralie Beck pour tous ces chiffres, ceux que vous pouvez nous donner à l'heure qu'il est 21h45. Nous sommes toujours avec Loïc Dombreval, La République En Marche, sur ce plateau. Et nous accueillons Madame. Bérengère Humbert, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la tête de liste de l'écologie au centre. C'est la liste de Jean-Marc Governatori donc, dans les Alpes-Maritimes. Alors, quelle est votre réaction ce soir? Votre candidat a apparemment fait un peu plus de 5%. Il a lancé un appel à Renaud Muselier. On pense qu'il y a une fusion qui va être possible et qui va être discutée. Est-ce que c'est un succès pour vous, ce résultat? Bon, succès, restons encore. Voilà, c'est 5,6% pour l'instant. On est très, très contents, effectivement, puisqu'on a dépassé les 5%. Donc c'est une très bonne chose. L'écologie au centre, c'est récent, c'est bon, nouveau, c'est peut-être pour ça aussi que les gens nous ont fait confiance. Et donc bon, c'est peut-être pas un succès parce qu'on aurait pu faire encore mieux, mais on est ravis. Vous dites que c'est un mouvement récent. Il y a eu, vous avez l'impression qu'il y a eu un aspect découverte de cette liste qui était pas forcément, qui est peut-être moins connue que la liste que les partis Europe Écologie, les partis classiques Europe Écologie Les Verts. Vous avez l'impression qu'on a découvert votre programme? Alors, je pense que les gens ont découvert notre programme. Effectivement, on l'a expliqué sur le terrain. C'est ce qui était important. On a bien montré la différence entre Europe Écologie Les Verts et nous. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Governatori a quitté Europe Écologie Les Verts. Enfin, n'a pas fait la liste qui était prévue au départ. Parce que ben, on n'est pas Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, bon, les médias ne l'ont pas montré alors qu'ils avaient l'information, mais on est la première liste en PACA pour l'écologie. C'est le réseau, excusez-moi, le réseau Action Climat qui nous a décerné la première place. Donc oui, la vraie liste écologiste, c'est nous. Donc les gens ne s'y sont pas trompés. Hélène. Eh ben, c'est le moment, me dit-on, d'aller retrouver Éric Ciotti, candidat à Tourrette-Levens. Éric Ciotti, on a cru entendre que vous aviez des résultats très, très rassurants, et ce, malgré le fort taux d'abstention ce soir. Vous criez déjà victoire? Oui, j'ai été réélu ce soir dans le canton de Tourrette-Levens au premier tour, avec un score qui dépasse les 60% des voix, qui est en forte progression. Par rapport à 2015, donc ce soir, il y aura deux élus au premier tour dans le département des Alpes-Maritimes, deux binômes en tout cas, puisque je suis élu bien sûr avec Christelle Dintorny, que je remercie pour son engagement. Et il y a également David Lisnard avec Alexandra Martin qui sont élus au premier tour. Charles-Ange Ginesi dépasse aussi les 60%. Mais il y a le seuil des 25 qui le prive de cette belle victoire au premier tour. Voilà, je suis très heureux ce soir. J'y vois bien sûr l'engagement de tous les électeurs de ce canton, des vallées de nos montagnes aussi. J'y vois la fidélité à une terre, à des racines, à des valeurs. J'y vois aussi la consécration d'une ligne claire. Et je crois que ce n'est pas un hasard ce soir si David Lisnard et moi sommes élus au premier tour, c'est le signe très clair que quand on a un cap, quand on a une ligne, quand on n'en transige pas, eh bien, il y a la confiance des électeurs. Et quand on sait où on est, quand la droite est de droite, eh bien, elle laisse moins d'espace aux adversaires. C'est ce que les électeurs de mon canton nous ont dit ce soir. Et oui, naturellement, j'en ressens une immense émotion et beaucoup d'engagement, beaucoup de devoirs pour la suite envers eux. Éric Ciotti,
les scores dans l'autre élection, qui est l'élection régionale, est-ce que c'est la preuve que une autre ligne chez les Républicains est possible et qu'elle peut réussir? Moi, j'ai envie d'abord ce soir de parler de la majorité départementale. J'ai conduit avec le président Ginesi cette campagne des départementales et ce soir, notre majorité va sortir très largement confortée avec tous nos cantons consolidés. C'est aussi un signe sur les élections régionales. Voilà, nous sommes la seule région de France, je crois, ce soir, où le Rassemblement national sort en tête. C'est naturellement, je l'ai dit, dans cette campagne, le regret qu'il y ait eu cette confusion qui nous a beaucoup coûté. Voilà, je regarde ce soir le score de Xavier Bertrand, je regarde le score magnifique de Laurent Wauquiez sur ses couleurs, qui fait plus de 46% des voix dans une région qui est beaucoup moins à droite que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je regarde le score de Valérie Pécresse. Eh bien, ils sont la consécration d'une ligne claire, sans aucune confusion, avec En Marche. Et je regarde aussi le score des Républicains ce soir. C'est un très beau score au plan national et c'est une bérésina pour En Marche. Donc on aurait pu éviter cette confusion, je le dis très clairement. Éric Ciotti, assez rapidement, est-ce que vous donnez des consignes de vote pour ce second tour de l'élection régionale aux électeurs LR ? Nous en reparlerons dans la semaine. Ce soir, je me consacre aux élections départementales. Nous nous réunirons demain à Paris. Moi, par nature, je souhaite toujours la victoire de ma famille politique, mais je la souhaite dans la clarté, dans l'absence de confusion et dans une opposition claire à ce pouvoir qui a abîmé la France. Et ce soir, ce pouvoir subit une véritable déculottée puisque la plupart des listes En Marche sont éliminées. Et s'il y en avait une en Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, elle n'aurait pas franchi le cap nécessaire pour le maintien au second tour. Donc c'est un regret. Mais ce soir, je veux souligner et saluer la belle victoire de la majorité des Républicains dans le département des Alpes-Maritimes. Et si vous le permettez, je vais me consacrer ce soir à cette victoire. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Et puisque l'on parle des régionales, je rappelle ce sondage sorti des urnes. Thierry Mariani donnait en tête avec 34,8%. Renaud Muselier, 33,7%. Jean-Laurent Félicia, 15,2%. À ce propos, je vous propose d'écouter tout de suite l'interview donnée il y a quelques minutes en direct du Vaucluse de Thierry Mariani, donc le Rassemblement national. Prêtez l'oreille parce que le son n'est pas de bonne qualité. Vous êtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans notre région à vouloir que ça change. Mais le changement, c'est aussi et avant tout votre responsabilité. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que notre région soit la seule, je dis bien la seule région de France, à offrir une victoire à Emmanuel Macron ? Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors rien ne changera dans notre région. Voilà pour cette réaction recueillie il y a quelques minutes de Thierry Mariani. On poursuit notre tour des cantons avec les départementales. Direction maintenant Valbonne, où se trouve Manon Amiot, le canton de Valbonne, où la gauche part divisée. D'un côté, le Rassemblement de la gauche écologique et citoyenne et de l'autre, Cap Écologie, incarné par Jean-Marc Governatori. Et chose étonnante, Manon, le maire vert Joseph Cesaro n'a pas soutenu l'une des deux listes. Et non, il n'a soutenu aucune liste. Il dit même que Jean-Marc Governatori ne l'a pas prévenu de sa candidature. On l'a croisé tout à l'heure, le maire de la ville, Joseph Cesaro, c'est ce qu'il nous dit. Alors, dans ce canton qui regroupe 11 communes plus une fraction d'Antibes, c'est bien sûr l'écologie qui était au centre de la campagne depuis l'élection donc de Joseph Cesaro, seul maire écolo des Alpes-Maritimes. Ici, l'élection n'a pas déchaîné les foules avec 30% de participation. 5 binômes se présentaient. Gérard Lombardo sortant, maire du Rouret,
et Vanessa Lellouche pour l'Union de la droite, opposée à William Vergès, Rassemblement national. En 2015, Lombardo était élu face à Vergès, 68% à 31%. Et cette année, donc, l'invité surprise, c'est Jean-Marc Governatori qui a saisi l'opportunité. Mais ce qui semble se profiler, c'est bien un nouveau duel Les Républicains et Rassemblement national. Les seuls résultats que l'on connaît pour le moment sont pour Châteauneuf-Grasse où le Rassemblement National obtient 29% des votes contre 27% pour Gérald Lombardo de l'Union de la droite. Merci Manon, on revient en plateau avec nos invités Loïc Lombard. Je vous voyais un peu piaffé pendant que Éric Ciotti parlait. Alors vous disiez il a qu'à le dire pour qui il appelle à voter. Bon, il a dit qu'il le dirait cette semaine, c'est pas dramatique, il faut attendre un petit peu. Non mais je dois reconnaître à Éric Ciotti une ligne claire, ça c'est certain. Sa ligne, elle est parfaitement claire, tout le monde l'a compris. Il suffit d'ailleurs de voir les tracts qu'il a utilisés pendant sa campagne au conseil départemental pour voir que sa ligne, c'est celle du Rassemblement national. La ligne d'Éric Ciotti et d'un certain nombre de ses amis au sein de LR est une ligne qui se situe à 1 mm de la ligne du Front national. C'est ça la réalité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'appelle pas au premier tour à voter pour soi-disant celui qui est le candidat de son camp, c'est-à-dire Renaud Muselier. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, il ne nous répond toujours pas sur qui il va se reporter pour le second tour. C'est ça la réalité. Et en fait, il y a effectivement un certain nombre de candidats comme Wauquiez, comme Bertrand, comme Pécresse, comme d'autres, qui effectivement sont des candidats sortants LR et qui font un score important au premier tour. Mais l'histoire de LR, elle n'est pas terminée. L'histoire de LR, elle fait que commencer, et vous allez voir que ce parti, naturellement, va se diviser, comme il a commencé à se diviser il y a quelques semaines et quelques mois, parce que évidemment, il y a les tenants de la ligne claire d'Éric Ciotti, qui est une ligne très proche du Front National, et puis il y a une ligne qui est la ligne de Christian Estrosi, d'Hubert Falco, de Renaud Muselier et d'autres, qui est une ligne, effectivement, de rassemblement, de capacité à travailler avec un mouvement du centre et de la droite, modéré, républicaine. C'est ça la réalité. Et en fait, il n'y a pas, à mon avis, aujourd'hui, ce soir, malgré ses victoires, de cocorico à faire du côté de la ligne d'Éric Ciotti, parce que je pense qu'il va au-devant de grandes difficultés au sein de sa propre famille. Loïc Dombreval, s'il y a un problème de clarification également, et si les électeurs ne vont pas voter, s'ils trouvent tout ça un petit peu confus, est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'attitude du parti présidentiel dans cette élection régionale, qui a été souvent très difficile à comprendre et qui a semé le trouble. Ah, vous voulez que je vous dise ? En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment. Ah ben, je suis effectivement extrêmement surpris dans l'entrée en campagne, à la fois de Renaud Muselier et de Sophie Cluzel, qui est candidate, puis plus candidate, puis candidate, puis plus candidate. C'est effectivement un petit peu confusant. Maintenant, il y avait des bras tendus et puis ensuite une reprise en main de la part de LR auprès de Renaud Muselier. Ça a rendu les choses extrêmement confuses. Je note simplement qu'à la fin, dans une région où le Front National est traditionnellement, historiquement, extrêmement haut, eh bien c'est une réalité aujourd'hui de voir que le candidat LR et le candidat du Rassemblement sont extrêmement proches. Loïc Dombreval, il nous reste quelques minutes. Cette alliance était une bonne alliance. Pour accueillir en duplex de Fréjus, David Racheline, tête de liste Rassemblement National dans le Var. Bonsoir à vous. David Racheline, on parlait de ces régionales. Est-ce que le score annoncé, attendu du Rassemblement National est un petit peu décevant selon vous ? Non, il n'est pas décevant. C'est un bon résultat. Et d'ailleurs, nous sommes en tête. Ce qui est décevant, c'est... Et nous sommes évidemment les premières victimes de cette abstention. Il faut, les habitants de notre région veulent véritablement que les choses changent dans des domaines de compétences qui sont ceux du quotidien, les transports, le développement économique, etc., il faut qu'ils se mobilisent car tout est encore possible. Thierry Mariani peut emporter la région pour faire que, véritablement, sur une ligne claire, sur des convictions solides, que les choses changent. Encore une fois, nous ne pourrons le faire qu'avec l'aide des habitants de cette région et nous savons, parce que les premiers sondages sont déjà sortis des urnes, que c'est massivement les électeurs du Rassemblement National qui ne sont pas allés voter, près de 71% d'entre eux. Il faut donc qu'ils se mobilisent pour ces élections régionales, car la victoire est possible. Merci à vous David Racheline, vous étiez en direct de Fréjus, on reviendra vous voir dans quelques minutes pour avoir des résultats, cette fois dans les départementales à Fréjus. Cette tranche d'informations sur les élections régionales, départementales, touche à sa fin. Merci à nos invités sur le plateau. Je vous rappelle le QR code qui s'affiche au bas de votre écran pour accéder à tous les résultats. Il suffit de le flasher avec le mode téléphone.
mode photo, pardon, pour découvrir et suivre au fil de la soirée les résultats canton par canton, mais également les résultats de ces régionales. Tout de suite, c'est les résultats partout en France pour ce double scrutin. Je vous propose qu'on se retrouve dans 15 minutes avec Henri Milon.